Salut à tous, à la manette c'est qui ? C'est Pépé Junior. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fall Guys. Donc on avait lancé un enregistrement juste à la game d'avant, bah j'ai fait un top 2. Mais bon, ça n'a pas enregistré donc... Mais j'ai pas gagné, heureusement, sinon ça aurait pas été mis sur YouTube. C'est parti. Je vais vous mentir, j'avais tellement bien joué la finale, on était 6. J'étais en 1v1, c'était sur saute toujours. J'avais bien joué. Et on est, je pense qu'on est tombé en même temps. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas s'il était tombé, mais moi je suis tombé mal et donc bon. Donc cette épreuve a changé. Cette épreuve a changé. Enfin, il y a 2-3 balançoires qui ont bougé de place. Hein. On n'a pas changé de ouf, mais bon. Alors sur cette map, il n'y a pas du tout d'astuce, clairement. Il n'y en a pas. La technique, c'est juste être bon. Donc moi franchement j'aime bien cette map. Alors c'est pas la map que je déteste. Genre je l'aime vraiment bien. C'est pas le sort de map que je vais. Et comme vous pouvez le voir, je la maîtrise très bien. Là normalement si je joue bien et que je fais pas d'erreur. C'est le top 1 assuré les amis hein. Voilà un petit top 1, même si on n'a pas de couronne d'ailleurs, c'est très dommage. Qualifié en premier. Alors je pense que lui il va avoir du mal parce que il est qu'à la première épreuve. D'accord, lui est qu'à la première épreuve, il vient à peine de commencer. Bon, sur la vue du dinosaure qui apparemment n'a pas trop de chance parce que le truc est raide. C'est dommage pour lui parce que ceux d'en face sont pas très intelligents et ils y vont tous. On compte sur toi, petit dino. Ah, quel dommage. En même temps, il fait pas d'effort, il va à la pire plateforme possible. Genre, j'ai du mal à croire que lui il va se qualifier. Hein. Bah si quand même. Comme c'est qualifié. Jette sur la vue de lui s'il arrive à troll des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il était clairement en AFK parce que... d'exceptionnel quoi, d'exceptionnel. Ah, vous voyez le skin à droite? Bah lui je peux l'acheter, mais bon je le trouve pas beau, clairement il est moche. Bon, cette épreuve va très très longue. Très longue. D'ailleurs, vous avez beaucoup moins de pourcentage de chance d'avoir un hacker dans votre game. Parce que, bah, au début, s'il y a un hacker, bah, il se fait ban. Enfin, il se fait kick de la game quoi. Ça fait kick de la game. Ça va me pousser. En tout cas tout à l'heure j'ai eu cette map, ça a au moins duré 10 minutes quoi. Là, ça va plutôt vite.
Ce qui est bien, il faut que vous alternez entre le bleu et le violet. Vous alternez entre le bleu et le violet parce que déjà c'est les moins lents et quand le violet bah il y a rien dessus, bah ça va devenir au bleu. Et ça c'est plutôt cool je trouve. Non mais laisse-moi tranquille. Bah GG mec, t'es mort. Oh non, la chance qu'il a eu, il était mort hein, clairement. Tout à l'heure j'ai eu Ascension. Tout à l'heure les amis, j'ai eu Ascension Précieuse, ça s'est joué à un poil de cul clairement. J'étais à deux doigts de tomber dans le vide quoi, clairement. Est-ce qu'il fuit, y a pas vraiment de technique, enfin un conseil, aller sur les côtés, mais je sais pas si c'est vraiment un bon conseil. Enfin, moi j'y vais la plupart du temps parce qu'au milieu, bah il y a peut-être les petits rondins en chocolat qui vont tomber et tu t'y attends pas souvent. Ouais, un petit conseil, sautez au début, mais si faut que vous soyez première ligne, sinon vous allez tomber par les gens qui poussent. Voilà. Sur le côté, tu te prends clairement moins de free. Clairement. Je suis même pas pris la banane. Et là, quand t'es à partir de là, tu te prends presque plus rien, genre. Easy and again. Oh le chacal, c'est un chacal lui. Aïe. Faut pas aller au milieu frérot. Il ne faut pas y aller. Là, je pense qu'il va avoir quelque chose, genre un truc ou plaboum ou rock'n'roll. Mais ce sera 5 contre 5, je pense. Ah non, même pas. Boy. Bon les amis, là j'ai pas parlé parce que j'étais très concentré et vous avez vu qu'à la fin je me suis mangé la bordure, mais ça m'a quand même qualifié hein. Mais j'ai quand même été qualifié donc c'est plutôt nice. Si c'est chute montagneuse, c'est le coach avec son short là, parce que franchement il m'aggrave mais à 1 km et je pense qu'il a une co de séco mon pote. Ah. Je vous promets rien, hein. Franchement là je vous promets rien du tout. Parce que bon. Je gère un petit peu mais pas trop quoi. Donc là si vous m'entendez pas c'est que je suis très concentré, donc je vais peut-être pas parler parce que je suis en finale. Là, comme je vous le disais, les amis, et bah.
Je suis pas très très fort à cette map. Hein. Donc voilà, il y a déjà un éliminé, je sais pas vraiment trop comment il a fait, mais bon. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour gérer ça, mais bon. Là, je vais me laisser tomber. Pour être sûr d'atterrir sur le bleu. Donc là, les amis, j'ai tout le bleu pour moi. Hein. Ça peut être clairement une bonne victoire ou une bonne défaite. Faut que je vois où je peux passer parce que... Les amis, il me semble que j'ai tout le violet juste en bas. Donc ça, c'est plutôt nice. Je vais me laisser tomber juste là. Et oui, les amis, c'est le top 1. C'est le top 1 qu'on attendait tous. Oui. Alléluia. Bravo, Pépèche Junior. Merci, Pépèche. Bah, je pense que les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Pépé Junior. Ciao. Et franchement, on l'encourage avec plein de pouces parce que là, vraiment, on va vous mettre cette petite vidéo, le top 1, rien que pour vous, les abonnés. Hein, franchement, des likes et des pouces. Allez, merci beaucoup. Bisous.